Bon, et si nous reprenions là où nous en étions, les gens? Hop, super. Je vais quand même baisser un petit peu le son pour moi parce que je me fais agresser par la musique, mais bon. Nous en étions au tunnel. Alors, ah oui, je m'étais battue contre un chien d'une certaine manière et du coup maintenant je me retrouve ici. Et je vais sauvegarder ici. Ok, on continue là. Ah, ok. Ah, elle me voit. Ah, je me fais bouger. Ah, d'accord. Bah, très bien. Ça commence très très mal. D'une certaine manière, ça commence très très mal. Attends. Alors, attendez. Je reviens dans un instant, ça a sonné. Ne quittez pas le chat, j'arrive dans un instant. Bah super, ouais, en effet. Super début de jeu, on m'emmerde et en plus ça je fais tout tomber. Et il y a mon chat qui rentre dans ma chambre. Attendez, je reviens, encore une fois. Mais c'est dingue! On va faire en sorte que la VOD commence à partir de maintenant. Parce que là, il se passe beaucoup de choses. Alors. Ah oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes touches, punaise. Ok. Ah bah oui, hein. Oh, je sais ce que je dois faire. T'inquiète, t'inquiète. Non! Oh. Super. Mais punaise. Serais-je décédé? Ah oui, en effet. Bon, écoutez, on va y arriver. Alors, coucou YouTube, coucou la VOD. C'est votre moment là. Oh, mais c'est pas. Arrête de bouger, toi. Moi, je suis pas très vive comme personne. Je suis même assez lent. Oh, mais. Alors, si je mets autant de temps pour y arriver, c'est que vraiment, je suis de tension. Hein. Et pour le coup, c'est un peu le cas. Si c'est pour appuyer sur une simple petite truc de merde, on peut mettre un truc pour pas que ça bascule. Merci, Evie. Merci, Evie. Heureusement que t'es là parce que. Ok.
Ok. Oh, mais là, c'est pas... Non, mais c'est pas possible. Super. Ok. Ça ne veut pas s'ouvrir, ok, très bien. Oh punaise, j'ai eu peur. Ok. On se retrouve dans une sacrée pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ça, c'est moi. Ah! Ok. Ah, je vois ce que c'est. Oh. Ok. Never mind. Oh. Alors du coup, faut que je réussisse à mettre... Je crois... Oh, la musique fait bader sa mère. Non, c'est même pas là qu'il faut mettre. En fait, je suis bête. Faudrait que je mette... Ah mais non, faudrait peut-être que je mette la... Ah non, la tête du chat va là plutôt, non? C'est pas un chat, non? C'est pas un chat, si. C'est un lapin ou c'est un chat? Son lapin, il est blanc, donc c'est sans doute un chat. Mais par contre, aucune idée de où je dois mettre quoi. Ça, je sais que ça va là. Ça va là-haut. Non. Ah, c'est vraiment la pire chose, ces puzzles-là. Au secours. Alors. T'adores ce genre de puzzle? Moi, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me gêne. Parce que je suis un peu nulle. Et vu que je suis nulle dans pas mal de choses quand il concerne ce genre de puzzle, bah c'est chiant. Mais je comprends pourquoi tu les aimes bien en vrai. C'est attrayant, c'est attrayant. Moi, je trouve ça bien fait en général, oui. Oh, OMG, tu sais ce que tu vas faire pour ton prochain let's play? Vas-y, dis-moi. Dis-moi tout, dis-moi tout. En MP, let's gong. Alors. Alors là, je pense que j'arrive à peu près au bout de mon truc là. Alors. Tac, tac, tac.
Ok, donc là, on tient un truc là. Ok. Wedding Simulator Fit pour... Oh de ouf. Viens Poum, on fait ça. On fait ça Poum, let's gong. Ah mais c'est long ça. Ah vraiment, on est face à un gameplay de qualité, c'est assez dingue si je peux me permettre. Hein. Je parle de mon gameplay et à quel point il est nul, mais c'est ok. En même temps, je vais voir juste ce que m'a envoyé du coup Eevee. Ah bah Eevee me l'a pas encore envoyé. Non, Eevee me l'a pas encore envoyé, donc... J'ai mis sur j'ai glissé. Ah, c'est pour ça. Tu veux faire sur... Oh! Ok. Écoute. Purée. Oh là 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 là. Bah écoute. Hâte de voir si tu fais sur ces jeux-là. Bah, j'avoue que je connais pas du tout ces jeux. Du coup, ça me permettrait de découvrir un peu aussi. Putain, ce foutu chat. Ce foutu chat, c'est mort. C'est bon. Ah, j'ai fini? Quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai fini? Ah! Oui, mais j'imagine bien. Mais du coup, je fais quoi? Oui. Mais du coup... Ah, j'ai terminé. Qu'est-ce que je fais? Comment ça? Quoi? Comment ça? Pourquoi n'ai-je pas le droit de finir mon truc alors que j'ai galéré pendant 1000 ans? Ah, j'ai fini! Parce qu'à tous les coups, ça va le reset, non? Si je fais give up. Si je fais give up, ça va tout me refaire commencer. C'est-à-dire que j'ai fait tout ça pour rien? Maintenant, même si j'appuie sur X pour aller dans mes... Ah, putain! C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous me faites chier? Je comprends pas. Au pire, je quitte. Ça va peut-être garder. Bah, je me dis. C'est quand même dit reset. Au pire, je give up. Alors. Alrone. Alors, une plante pérenniale. Je sais pas du tout. Qui vient de la Méditerranée. Elle est aussi connue pour être appelée la mandragore ou mandragora. Ah ouais. Et due à sa composition assez toxique. Elle a souvent été utilisée à des fins médicales et sédatives pour partiellement aider au sommeil. Dans certains folklores, il est utilisé pour la magie ainsi que pour l'alchimie. Aussi lorsqu'elles sont uprooted, j'imagine que quand elles sont entre guillemets déplantées du sol, il est dit qu'elles font un cri strident qui viendrait tout droit des enfers et qui potentiellement pousserait à la mort quiconque l'entendrait. Super.
Et du coup, quand je retourne ici, bah en fait, ah oui, en fait, ça le sauvegarde. Il me manque juste une pièce, du coup, il va falloir que j'aille plus loin. Je pense que je vais quand même sauvegarder tout d'abord. Parce que bon. Il n'empêche que ce passage, il est. Oui! C'est vrai. Ah, t'es là, toi. Du coup, ok, j'ai pas le droit de m'approcher de cette merde. Très bien. Est-ce qu'il y aurait pas, genre, du coup, un moyen que je puisse trouver? Pour par exemple me boucher les oreilles en fait tout simplement parce que j'imagine que ce qu'il faut faire c'est ça. Ah oui. Give up. Je vais juste faire X item. Ok. Ah. Ah ouais. Super. Oui, mais il faut que je trouve de quoi me boucher les oreilles, non? Parce que là, que dois-je faire? Ah non, je la laisse telle qu'elle est là, parce que... Ah, je prends le pot. Ah, comme quoi, il faut parfois agir avec intelligence. Bah oui, mais... Attends. Non. Je sais pas à quoi me sert cette lampe au final. Est-ce une lampe que je porte toujours avec moi? C'est un mystère. Ok. Ouais, mais je n'ai rien pour me boucher les oreilles, toujours. Ouais, je dois toujours m'écarter de ce bout, mais bon, je ne sais pas. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. J'espère pour vous que le son n'est pas si fort. Parce que, maybe, voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas par tous les moyens un truc? Non, rien du tout ici. Donc la poupée a été bien défoncée, ce que j'imagine. Écoutez. Magnifique activité du sort bloquer des gens divers sur le. Bloquer des gens divers et variés sur le Birds App. Donc sur Twitter, donc. Des fois, il y a des gens qui méritent juste de pas avoir Twitter, tout simplement. Mais je ne trouve pas. Non, ça va pour le son. Bah, écoute, nickel. Nickel, nickel. Si ça va, c'est nickel. Mais c'est toujours dommage, il n'y a toujours pas de quoi me protéger les oreilles. Parce que si je l'entends et que je meurs, bah au secours. La satisfaction, c'est Report Yannick qui recopie les messages religieux et le copie-colle partout pour le spam. Oh au secours. Des fois, des gens mériteraient de ne pas avoir de connexion internet. C'est grave. Bah écoutez. On dirait mes cris quand... Ah, il est mort. On dirait mes cris quand j'ai peur. Ok, donc j'ai eu le temps de m'écarter. Simple. Tu ne vas pas m'attaquer, n'est-ce pas?
Mais... Ok, j'utilise mon scalpel. Je suis désolée. Ah ouais. Du coup, on utilise le scalpel pour récupérer la clé. La clé de l'incinérateur. Bon, au revoir ma clé. J'ai reçu... Oh, c'est gentil. Bah écoute, fais ta vie mon ref, mais fais ta vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah. Meuf. Super. Je suis vraiment connard. Tu vas attendre 2 secondes, je vais sauvegarder et j'arrive. Oh là là, au secours. J'ai eu peur d'une porte, ok. Ah, mon cœur bat déjà un peu plus vite, là. Je me remets un peu dans le jeu. J'ai combien d'items? J'ai la clé de l'incinérateur, ok. Super. Bah, génial. Ah, c'est ça qui coulait, d'accord, ok, très bien. Grosse ambiance. Ok. Super. Mhm. Alors, je n'ai qu'une question. Comment ton père a réussi à amasser autant d'argent pour se faire construire un tel souterrain comme celui-là. En sachant personnellement que c'est un serial killer, donc il devrait être recherché. Je sais pas. Who knew that was down there? Du coup, elle disait sa boue de lave. Vraiment de feu là-dedans. qui a su qu'il se passait, qu'il y avait cette telle chose en bas? Oh. Tu auras besoin de détruire cette poupée si tu veux vouloir aller plus loin. Brûle-la pour de bon, et ainsi son esprit brûlera également avec elle. Et ainsi, pouf! A plus, c'est ciao! La barrière invisible qui se trouve autour de cette porte. Bon. Tu veux me détruire? Je n'ouvrirai pas la porte si tu le fais. On aura besoin de voir pour ça. Arrête! S'il te plaît, arrête, Aya! Maman? S'il te plaît, Aya, écoute ta mère. Arrête, tu n'es pas ma mère! S'il te plaît, Aya, écoute ta mère. Je veux te voir. Ma sublime petite fille. Arrête! C'est ciao. Mmh. Ok. Super. Donc du coup, je soupçonne la sombre de Marital. Il a tout creusé à la main. Ah oui, ce serait fait chier, je pense, ouf. Je dois éviter de nouveau les poupées, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que vous voulez me voir souffrir ou vous voulez me voir aller plus loin rapidement dans le jeu ou pas du tout? C'est comme vous voulez. Je vous laisse choisir. Soit vous voulez que je skip, soit vous voulez que je continue à jouer cette partie-là. C'est comme vous voulez. Je vous laisse faire. Je vous laisse me dire oui ou non. Parce que... C'est votre choix. Moi j'écoute de la musique pendant ce temps-là. Ouh, Halloween, Halloween. C'est que vous étiez là dans le chat ou quoi là? Qu'est-ce que je fais dans le chat?
Ah non, comme... Ah bah au pire c'est pas grave, vous dites juste oui ou non, c'est pas grave. Vu qu'on n'est pas beaucoup de viewers, en vrai c'est pas grave. En vrai, vas-y, skip. Ok. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Poum? À ton avis, je fais quoi? Je sais pas si Kratos est encore là ou si, si Kyuli est encore là, mais... Sinon, moi, je suis ce que me dit Ivy et je skip. Hein. Par contre, je vais juste enlever Messenger, parce que je crois qu'on me parle également sur Messenger, c'est chiant. Le temps que vous choisissiez. Gérer la messagerie. Est-ce que je peux enlever le son ou pas? Parce que j'ai mis Opéra, mais du coup je sais pas comment on fait pour enlever les. Pour enlever le son. Bon, c'est pas grave, au pire. Je vais faire directement comme ça, mélangeur de volume, et je vais baisser le son directement. Hop. Super. Bah oui, on entend mes notifs, c'est chiant. Ok, bah écoutez, je skip. Je skip. Je m'emmerde pas. Super. Ok. Ouais, bah super, écoute. Non, c'est pas là que je dois aller. Super. Je sais plus où je dois aller. Super, bah évidemment, sinon c'est pas drôle. Ok. Ok, je sais pas où je vais, mais je vais en tout cas. Super, je sais où je dois aller. Alors, on va juste regarder. Purée, je peux pas aller par là. Ah mais je me... J'ai dû louper quelque chose? Qu'est-ce que j'ai loupé, dites-moi. Le fait qu'il ait fait tout ça, le père, ça me fume max de rire, genre. Attends. Ça, je peux pas réagir à ça. Ah, oui, pardon, excusez-moi. C'est vrai que ma souris, elle fait un peu dans le chemin. Je m'en excuse humblement. Mais du coup, où dois-je aller? Oh, je sais! Tiens! Oh! Bah, j'ai une gemme. Bah, super! Ok, nice! Ok. Je vais sauvegarder. Mais alors, où dois-je aller? Je ne sais toujours pas. Écoute. Attends, j'ai quand même 19 gemmes, il m'en manque une, mais je crois que c'était celle qui était dans le miroir. Et celle qui est dans le miroir, bah. Je crois que c'est baisé pour moi, mais bon.
Ah bah oui, du coup, ça devait convenir à l'image. Super. Mais du coup, que dois-je faire? Ouais, donc là, c'est qu'un long couloir. Le miroir? Le miroir, tu dis? Oui, il y avait un miroir. Salope. Pardon. Ah. Oh. Ah. Pourquoi? Oh. Da da. Da 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 da. Da 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 da. Je chante faux, mais c'est ok. Ne le savais-tu pas depuis le début? Et pourtant, tu veux toujours l'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Mais je dois y aller. Père est tout ce que j'ai. Et aussi, quoi qu'il arrive, je l'encouragerai. Parce que c'est ce que j'ai promis à ma mère. Tu es toujours en train de penser cela? Ta mère a oublié toutes les promesses. Et maintenant elle le torture. C'est peut-être vrai, mais... je sais qu'elle était sincère par rapport à cette promesse. Alors, même si maman l'oublie, alors moi je ne l'oublierai jamais. Si tu vas sauver ton père... alors... d'autres pauvres âmes innocentes souffriront également, tu sais. Je vais essayer de tout faire pour pas que cela ne se produise à nouveau. Que cela se reproduise? Comment? Mon père est quelqu'un de gentil. Alors je sais que je peux faire en sorte qu'il change. Ah bah oui, c'est la poupée qu'on avait au tout début. Quel enfant. Les gens ne changent pas aussi facilement. Oh shit. The fuck. Le DMC et le DMC. Phew, enfin fini le boulot, je vais pouvoir profiter full du stream. Let's go. Viens, viens. Ouais, donc du coup, il me manque une. Il me manque une gemme. Il manque la gemme qui était dans le miroir et impossible de savoir comment je fais pour la voir. Mais bon. C'est pas grave, je chercherai comment. Oh, je me souvenais pas de ça, moi non plus. Enfin, si, je me souvenais à peu près de ce qui se passait après, mais j'ai des souvenirs assez vagues, donc... Du coup, ce portail te mènera à un autre monde. Oh, c'est la musique du daddy. Daddy. Alors, elle est là-haut. Est-ce que tu vas vraiment y aller? Une réalité bien trop dure pour une si jeune femme. Elle t'attend là-bas. Tu irais là-bas, malgré tout? Oui. Adam, j'imagine qu'il dit, tu as l'air de le vouloir, tu as l'air d'en être courageux. En ce cas, laisse-moi te donner ça. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Une eau magique. Un nouveau produit de ma compagnie. Une eau magique? On dirait que cela vient d'une histoire. S'il te plaît, prends ça avec toi. Le pouvoir qui est contenu dans cette eau devra sans doute être... Ah, comment dirons ça? Te sera en aide, diront. Je pourrais sauver mon père également avec cela? Bien sûr. Cette eau a le pouvoir de sceller les méfaits de cette malédiction.
Alors je peux arrêter cette malédiction. Maman. Elle doit souffrir. Je dois sauver maman également. Est-ce que maman pourra reposer en paix une fois que la... Une fois que cette malédiction sera partie? Oui, je suis sûre que oui. Si ton amour l'atteint, alors je suis sûre que ta mère sera sauvée. Ok. Merci, monsieur. Ce n'est rien, madame. Je prierai pour ta sûreté. Ah. Bon, du coup... Je ne sais pas encore comment avoir cette foutue gemme. Mais bon, c'est pas grave, je l'aurai. Oui, je jump. Je jump, c'est let's go. C'est parti. Alors, elle est partie. Qu'est-ce qu'elle choisira, je me demande. Oh oh. Cela veut dire que c'est bientôt la fin. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, les viewers. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. C'est... On dirait le monde d'un livre d'images. Je devrais peut-être avancer. Oh shit! Maman. Aya. Alors tu es venue. Pas vrai. C'est vraiment toi, maman. Maman! Ah. Maman. Tu n'aurais pas dû venir. Mais pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? Tu l'as bien vu de tes propres yeux en venant ici, Aya, n'est-ce pas? Toutes les atrocités que cet homme a pu commettre. Je ne veux plus qu'il y ait d'autres victimes. Ne ressens-tu pas la même chose, Aya? Tu mens. S'il n'y avait personne pour croire mon père, alors il n'y avait toi, maman. C'est Maria que tu n'aimes pas, pas vrai? Tu aimais père. Alors tu n'aimais pas les voir ensemble? Je sais ce que tu... Je connais, je ressens ce que tu ressens. J'aime père aussi. Alors, moi aussi j'ai ressenti ce sentiment qu'il m'était enlevé de moi. J'avais si peur, je ne pouvais respirer. Quel soulagement. Tu es vraiment bien notre fille. Alors tu l'as tout compris. Oui, c'est comme tu l'imagines, oui. Je ne pouvais pas le voir, ton père, être avec Maria. Mais tu l'aimes encore, père, pas vrai? Alors pourquoi tu le fais souffrir? Ce n'est pas que je veux le voir souffrir. Je veux juste le donner à personne. Alors je le prends avec moi. Tu ne peux pas? N'avions pas promis? Quoi qu'il arrive... On l'encouragerait? N'en fais pas, Aya. Je l'encouragerai. Éternellement. Après la mort. Et que m'arrivera-t-il? Sans père, je serai seule. Je ne veux pas. Je veux être avec toi et avec père. Maman, prends-moi également avec toi, s'il te plaît. Je ne peux pas le faire. Je veux que tu vives et que tu sois heureuse. Mais je ne peux pas. Ce qui me rend heureux, c'est d'être avec toi et d'être avec père. Alors s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Oh, shit. Non. Personne ne doit interférer. Mère. Maintenant, chérie, laisse-nous partir.
Oh shit. Aya. Père. Oh shit. Père. Aya, pourquoi n'écoutes-tu pas ta mère? Ne prends pas père avec toi. Oh, de mon chemin. Maman. Personne ne peut la voir. Maman, arrête. Il est à moi et à moi seul. Qu'est-ce que c'est, monsieur? De l'eau magique. Un nouveau produit de ma compagnie. Le pouvoir qui est dans cette eau te sera sans doute une aide pour plus tard. Je peux sauver père avec ça. Mais qu'arrivera-t-il à maman? Alors si ton amour réussit à la joindre, alors je suis sûre que ta mère sera sauvée. Vraiment? J'imagine que l'on ne peut pas être sûr. Que devrais-je faire? Elle a un problème de jalousie un peu, pour des raisons légales, ce n'est une blague. Ah, d'un côté, elle est jalouse, hein, mais... Bon. Faut avoir la fin qu'il nous faut. Vous savez quelle réponse je dois prendre. Pour avoir la vraie fin, dans tous les cas. Honestly. Tout le monde dirait... Non, il ne faut pas le sauver, en fait. Genre, ça trouve du cul, le père. Évidemment qu'il ne faut pas le sauver. Mais si, en fait. Pour ceux qui le savent... Mais tout le monde l'aurait laissé. I'm gonna take Maria and leave. Mais il faut sauver le père. Pour avoir la vraie fin, il faut sauver le père. Et je vais suivre la volonté d'Aya. La volonté d'Aya est de sauver le père, de base. Donc je sauve mon père. Et ouais, allons-y alors. Et oui. Je vais sauver père. Schlack. Oh. Aya, que fais-tu? Je suis désolée, maman. Arrête, Aya. Oh shit. Je disparais. Mon corps, il s'efface. Maman. Aya. Attends, t'en vas pas. Oh non. Aya. Oui, Lilu, elle est trop belle. Oh. Où est-ce que je suis? Hein? Père. Oh. Aya. Père. Aya, je suis désolée, Aya. Je t'ai inquiété, alors. Père, mère. Oui, je sais. Elle devait se sentir seule. On devrait aller à sa tombe demain. Afin d'apaiser son esprit. Ok. Aya, je ne voulais pas que tu connaisses la vérité. Mais avec ce qu'il me reste de pouvoir, quoi? Oh, c'est quoi déjà un simple, un produit, une expérience, un sujet de choix. Euh,
Je vais alors disposer les derniers matériaux qui restent seuls. Cela peut attendre. Venez, Maria. Docteur. Docteur. La maîtresse est au courant de notre relation. Et alors? Quel est le problème? Je ne crois pas qu'elle m'apprécie beaucoup, c'est ça le problème. Notre fille va bientôt avoir 11 ans. C'est l'âge bête, après tout. Mais sois gentil avec elle, s'il te plaît. Et fais en sorte que jamais elle ne souffre. Elle sera à jamais ma plus précieuse poupée de tous les temps. De toujours. Hein? Une poupée? Moi? Père? Qu'est-ce que c'était que ça? Hein? C'est... Alors quoi? Maman? Pendant combien de temps va-t-il rester croupir dans ce sous-sol? Ne me dites pas qu'elle est encore avec cette fille. Docteur, Maîtresse Aya est maintenant devenue assez... Et ressemble maintenant de plus en plus à une lady. Et maintenant que j'y pense, elle a toujours été... habituée à faire des bêtises et à vous embêter. C'est vrai. Alors, je sais pas ce que c'est que ripe, mais je vais insinuer une traduction. Attendons encore un petit peu, je pense qu'un petit peu de temps, encore un peu plus, ne serait pas un problème à attendre afin qu'elle soit parfaite. Ah, ripe, c'est mûr. On devrait attendre un peu plus avant qu'elle soit un peu plus mûre. Je vais faire en sorte qu'elle soit la plus belle poupée que je puisse créer. Qu'est-ce que c'était que ça? Elle doit être la pièce maîtresse de toutes les poupées que j'ai pu faire auparavant. Des poupées? Quoi? La changer en poupée? Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais ranger les matériaux qui ne nous suffisent plus. Je ne le permettrai pas. Jamais tu ne transformeras ma fille en l'un de tes sujets. Toi! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que tu penses faire des expériences sur elle? Alors tu as tout entendu. Mais à quoi tu penses? C'est notre seul et unique trésor. Exactement. C'est une merveille, notre fille. Je veux faire en sorte qu'elle soit belle, et ce, pour l'éternité. Et pourtant, elle va bientôt être salie. Je ne peux pas me permettre d'y même penser à ça. Alors, je la changerai en une poupée. Je ne te le permettrai pas. Je ne vais jamais te laisser faire. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu dis? Alors si tu veux faire en sorte qu'elle soit une poupée, alors fais-en juste une réplique. Attends. Tu as l'intention de partir avec elle? Ça, je ne peux pas te le permettre. Laisse-moi! Je ne vais pas te laisser faire ce que tu veux avec elle. Maîtresse! Maîtresse, restez avec nous! Docteur, pourquoi avez-vous fait ça?
cela devait être fait. Pour le futur de Aya. Mais, maîtresse... N'en parle pas, Aya. Mais... Elle est assez faible, fébrile. Dis juste qu'elle est décédée à cause d'une maladie. Mentir à la maîtresse, mais je ne peux pas. Est-ce que tu es en train de refuser mes ordres? Non, c'est parce que je... Maria. Quoi qu'il arrive, je vous serai loyale, docteur. Et c'est ce pourquoi tu es mon assistante. Docteur. Bon, maintenant, je dois cacher ce corps. Naturellement, Aya ne doit pas le voir. Maman. Est-ce un rêve? Est-ce que je suis juste en train de faire un cauchemar? Ce n'est pas un cauchemar. C'est la réalité. Maman. Je suis désolée, Aya. Ta mère aime toujours ton père malgré tout. Alors je n'ai pas pu le tuer. Mais j'aurais dû. Ne dis pas ça. Cours. Enfuis-toi de lui. Ah. Aya? Ah. Aya, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si effrayée par ton père? Non. Non. Oh, fuck this sh... Oh. Ah. Purée. Alors. Que je vous le dise. Que je vous le dise. Dans la version originale, elle a été nue dans une sorte de bocal. Donc ils l'ont censurée. Voilà. Mais de base, elle le découvre de cette même manière, en fait. Il se retrouve dans une sorte de laboratoire et elle est dans un large... C'est là où on voit les corps en général des autres gens. Bah, en fait, c'était pareil pour elle. Elle était dans un large bocal comme celui-là. Voilà. Je vous le dis. Ça a été censuré. Ah. Pour ceux qui découvrent le jeu. Yeah. En vrai, c'est pas plus mal, ça fit mieux, je trouve. Bah, en vrai, je trouve aussi. Je trouve que ça fit bien. Je trouve le jeu extrêmement bien refait, de cette manière. Enfin, je reprends. C'est pas vrai. Mère. Aya. Non, toi, dégage. Dégage, s'il te plaît. Ah, mais c'est Dany, je sais pas. Fais autre chose, s'il te plaît. Au côté romantique glauque de la chose. Oui, c'est clair. Alors, ce que je viens de voir, c'était vrai. Père. Tu l'as tué? Oh, stop laughing! Yee. Eh bien, à propos de cela... Père! Eh bien, Aya, ne penses-tu pas que ta mère est magnifique? J'imagine que tu ne peux pas l'accepter là, maintenant, tout de suite. Mais... Je sais que tu le feras avec le temps. Je voulais attendre juste un peu plus, mais... Père, vous allez aussi me changer en poupée? Ne sois pas triste, Aya. En faisant de toi une poupée, ta beauté restera éternelle. Oh, fuck you. Oh, non, 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 je suis pas content, je suis pas content. Regarde donc tous ces enfants, ne sont-ils pas beaux? Ils sont aussi beaux que... Comme lorsqu'ils étaient en vie, ils sont préservés ainsi. Ils sont le fruit des recherches de la famille Drevis. Et aucun d'eux ne bouge. C'est ce qui va m'arriver à moi. Regarde-les de la tête aux pieds. On peut juste imaginer que ce sont des poupées, pas vrai? Mais leur tête, leurs yeux, leurs torses, leurs mains et leurs jambes. Ils ont été créés de vraies personnes. Ils viennent de personnes humaines. Je trouve
trouve cela si fascinant. J'ai même essayé de combiner un... Oh. Alors là, mon ref... Oh, je te retire cette... Je te retire cette ref. Le mec va littéralement faire une ref à Full Metal Alchemist ou quoi, là? Parce qu'il a dit qu'il a même essayé de combiner un humain avec un chien. La fois où ça a été fait dans un animé, ça s'est mal terminé. Oh, putain. J'ai même essayé de combiner un chien avec un humain. Qu'est-ce que tu en penses? C'est incroyable, non? Qu'est-ce que tu aimerais être, Aya? Hélas, je ne peux pas faire beaucoup de changements si je dois préserver ta magnificence. Père, arrêtez. Ah, et bien sûr, je t'habillerai des plus beaux vêtements. Dis-moi juste ce que tu veux porter. Non! Oh la shit. Oh là, mais vous avez parlé dans le chat. Je trouve toujours très drôle l'excuse générale du « tu ne peux pas l'accepter pour le moment, mais tu t'y feras ». C'est très au secours-like, parce que ça implique clairement de ce que tu viens de voir est tellement traumatisant que tu ne peux pas le procéder, mais on va te forcer à le voir pour qu'au final tu trouves ça normal, malgré le fait que, ça ne le soit absolument pas. C'est exactement ça, en fait. La pauvre Aya, elle est forcée de, genre, d'accepter ses destins, alors que non, notre but c'est de s'échapper quand même, parce qu'on l'a sauvé, le pauvre, regardez-le, ce connard-là. Même Dany, il n'est pas aussi ingrat. Genre... Même Dany n'est pas aussi ingrat. C'est vraiment un enculé. Pardon. Péter derrière le chien au nous. Laisse-le au alchimiste albazard. Grand frère. Oh non. Oh non. Tais-toi, poum, tais-toi. Tu me laisses une liste de changements très loin, papa. Non. J'ai cru que c'était mon chat qui essayait de rentrer dans ma chambre. En fait, non, ça va. Aya. Oh, ta gueule. Oh, tais-toi! Tais-toi avec ta voix sexy, là. Putain, s'il te plaît. Où est-ce que tu vas? Viens, viens rejoindre ton père. Non! Ne me dis pas maintenant que tu me détestes. Je suis désolée, père, mais je ne veux pas être une poupée. Je pense que personne ne le veut. Ouh. Alors là, les gars... Sachez que je suis une merde pour ce qui est de fuir des trucs. Je suis une giga baise dessus. Ok? Dis papa, viens, on voyage loin, mais genre loin, et on joue à moi, je pars et toi tu restes. C'est celui qui retrouve l'autre a perdu. Run, run. Oh non, je l'entends déjà. Tu te souviens, Kiwli, moi je me souviens. Alors. Oh, le fils de pute! J'ai pas besoin de traduire ce qu'il dit. Ouvre la porte, Aya! Oh, la mannequin l'a bloqué? Merci. Oui! QTE, QTE, QTE! Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir comme une merde. Je vais mourir. Mais je vais mourir. Tu ne t'échapperas pas. Je vais mourir comme une merde. Oh non! Ok! Oh ton rire, toi je vais. Tu vas me laisser tranquille, oui? Ok, c'est un QTE. Ah ouf!
il y a plus de boîtes de dialogue là. Oh my god. Nice try, bitch. Ouh. J'ai pas sauvegardé. Oh fuck. Oui, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ok, mais comment faire? Mais laisse-moi! Mais laisse-moi le temps, mais t'es un enculé! Mais je vais t'enculer! Ok. En fait... Mais aussi, je panique aussi! Putain, oui, il faut que je prenne la mini-tours. Oui, il faut que je prenne... Mais alors, attends. Oh mais laisse-moi faire donc! Mais tu es chiant! Mais c'est dingos! T'inquiète pas, je vais te niquer! Juste. Je t'encule moi! J'ai une idée! Oh, si seulement je pouvais le tuer, le père! Mais le QTE est chiant aussi. Bon ça va, j'ai plus peur, il me fait plus peur. Ok. Ok, plus de batterie. Oh. C'est... Où est le docteur? Maîtresse! Maria! Ne laisse pas Aya s'échapper! Attendez! Quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Oh fuck! Bah oui, mais je sais. Mais ils ont le temps de 1000 fois me trouver là, c'est dingue! Ah. Qu'est-ce que je fais? Mais je clique partout, il y a rien qui se met. Ah. Voilà, je peux me cacher ici. Hop là. Maîtresse, qu'importe que vous soyez. Elle est partie, Aya. Je suis désolée, je l'ai perdue de vue. Tu as fait quoi? Je suis terriblement désolée. Je suis certaine qu'elle n'a pas dû partir bien loin. Laissez-moi la chercher ailleurs. Tu
Tu es inutile. Devrais-je faire? Il y a tellement de sang. N'y a-t-il pas quelque chose que je puisse utiliser? Non, je ne peux pas utiliser la magie. Bon, du coup, il y a plein de drogues un peu shady, un peu obscure, genre, c'est pas vraiment ce que c'est, t'as un peu peur. Y a-t-il quelque chose ici que je puisse utiliser? Oh! Des bandages. Okay. On va juste sauvegarder. Ok. Alors. On la soigne. Oui, Maria. Alors, devenir adulte, c'est se rendre compte que ce jeu aurait été 6 fois plus simple si elle a possédé un flingue de ouf. Après, ça se passe pas aux États-Unis, hein. Ça se passe juste. Ça se passe en Allemagne, donc pas le droit au flingue, quoi. Pas le droit au flingue. Maria, ne vous inquiétez pas, Maria va être sauvée. Cela devrait vous aider à... Cela devrait arrêter le sang. Maîtresse, je vous remercie de prendre autant soin de moi. Ne vous en faites pas, tout va bien. Je sais pas ce que ça veut dire, lose some, mais... J'imagine que c'est... J'imagine que je suis la personne que vous détestez le plus. Je suis la personne la plus horrible à vos yeux. S'il vous plaît, Il est vrai, Je comprends ce que vous ressentez, maîtresse. Je vous ai retiré quelqu'un de très important pour vous. Alors je comprends que vous me détestiez. Mais vous aviez été gentille. Très gentille. Et vous m'aviez fait part de votre compassion. Maria, pouvez-vous vous lever? Maîtresse? Sortons d'ici ensemble. Mais maîtresse, je suis pareil que vous, Maria. Je pensais que je ne pouvais point vivre sans mon père. Mais de la manière dont père a de s'en prendre à nous et... Ce à quoi il pense de nous. Ah, détestable, ok. D'accord, merci. Je ne veux pas être une poupée. Alors je ne peux plus être avec lui à présent. Mais vous et moi, on ne peut pas vivre seul. Alors, partons ensemble. Même si père est parti, je sais que vous et moi, on pourrait y arriver. Maîtresse. Oh, cette chanson est trop bien. Alors je vous accompagnerai, maîtresse. Maria. Mes excuses, maîtresse. Mais puis-je vous emprunter votre épaule? Bien sûr. Ok, alors. Oui, mais du coup, je fais quoi? Ah! Maîtresse, faites vite. Maria! Maîtresse, ne faites pas attention à moi, échappez-vous. Non, on part ensemble. Je ne peux pas aller plus loin. Vous devriez vous échapper seule, maîtresse. Mais si je suis seule, alors? Tout se passera bien. Jamais je ne vous laisserai seule. Je vous suivrai. Soyez-en sûre. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Maria!
Quel bâtard! Pouf! J'ai peur! Trouvé! Oh! And I fall. Quoi? Oh, quelle pétasse! Rejoins-nous! Oh! Je t'ai trouvé, Aya. Fini de jouer, Aya. Tu dois rester calme. Tu ne dois pas bouger. Laisse-moi partir. Je ne voudrais pas te faire mal, Aya. Ce serait dommage. Non. Arrêtez, père. Mais je pourrais couvrir ta jambe avec une jupe. Assez facilement, en plus. Ça devrait le faire. Je ne veux pas de ça. Je voulais juste rester avec vous. Toujours. Je vous aime, père. Alors s'il vous plaît, arrêtez ça. Aya. Mais ne t'inquiète pas. Papa et Aya resteront ensemble, unis. Alors, repose en paix. Je t'aime. And fuck you. Wa. Père, je t'aime. Oh shit. Go. Oh! Maîtresse! Maria! Est-ce que vous êtes blessée? Maria! Oh, shit! Maria le sang! On applaudit Maria le sang! Père ne bouge plus! Est-ce que père est mort? Pardonnez-moi, maîtresse. Je n'ai pas eu d'autre choix pour vous protéger. Tout va bien. C'est pour le mieux. Pas vrai, maman? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Le père est mort et il y a Dio. Let's go. Non mais il est incroyable, c'est insupportable. Bah. On est dans un jeu d'horreur. Oh, let's go. Je suis arrivée à temps. Maîtresse. Oh. Putain, Dio, le sang. On dirait Pippencraft. William Afton be like, I always come back avec le père. Merci de nous avoir sauvés. Tu n'as pas besoin que je te remercie. J'ai juste fait comme elle me l'a demandé. Tu veux dire maman? Et comme je l'ai dit, je suis désolée de t'avoir fait peur. Je n'ai pas eu l'intention de te faire du mal. Non, je n'avais aucune intention de te faire du mal, plutôt. Crois-le, au moins. Je comprends. Non,
Maman essayait de me protéger. Merci, maman. Je veux la revoir. Elle le voulait aussi. Mais... je ne pense pas qu'elle voulait être revue de la manière dont elle est maintenant. C'est... Peu importe à quoi elle ressemble, je... Tout va bien. Elle veillera toujours sur toi. De là-haut, alors ne t'en fais pas, ne sois pas triste. Et si tu l'es, alors cela la rendra encore plus triste. Ok. La malédiction va bientôt prendre fin, alors... je vais devoir te dire au revoir. Alors tu t'en vas ? Nous sommes seulement en vie à cause de la malédiction. Je vois. Mais il y a quelque chose que je dois faire avant de partir. Et c'est mettre le feu à ce manoir. Pourquoi tu ne devrais pas faire ça ? Tous les souvenirs heureux que j'ai ici. Cet endroit ne peut pas être laissé intact. Il est possible qu'une personne le retrouve et continue le travail de ton père. Et je ne peux pas laisser cette tragédie se reproduire encore une fois. C'est ce que maman voulait aussi. Ah, avec le petit lapin. Je vois. Si c'est ce qu'elle voulait, alors vas-y, faites-le, maîtresse. Tout ira bien, Maria. Même si la maison est partie, même si la maison se meurt, mes souvenirs de papa et maman resteront en ma mémoire, maîtresse. Oui, c'est vrai. Aya, il y a une seule chose, il y a une seule dernière chose que je dois te demander. Je t'en supplie. N'oublie pas les gens qui ont été sacrifiés ici. Aucun d'entre nous n'a de la famille ou des proches. Personne n'a cherché à nous retrouver et personne n'a cherché à se souvenir de nous. Personne ne savait que nous existions, après tout. C'est comme si toute notre existence est effacée de ce monde. Mais nous avons vécu. Et je souhaite que jamais tu ne l'oublies. Je veux que tu gardes la preuve au plus profond de ton cœur que nous avions été là. C'est, je pense, le minimum que tu puisses faire pour nous. Oui, je ne l'oublierai jamais. Merci. Bien, c'est un au revoir. Oh ! Au revoir, Aya. Oh ! Attends. C'est ma meilleure version du jeu. Mais oui, de ouf ! Snowball, il est trop cute ! Le fait que Snowball, c'est toujours là. Best girl et best boy, mais de ouf ! Je le ship trop. Je trouve triste qu'il soit décédé. Au revoir, Aya. J'espère que la chance te sourira de là-haut. Maintenant, pars. Au revoir. Il est trop mieux. Oh, succès déverrouillé, un charme du bonheur. Oh oui. Maria s'en sort, let's go. Oui, Maria le sent. Il ne reste maintenant plus que nous. Oui. Et boule de neige aussi. Oui. Oui, c'est vrai. Que devrions-nous faire maintenant? Je ne sais pas. On devrait trouver un endroit où vivre.
Mais je suis sûre que je ne peux pas vivre seule. Maria, veux-tu bien te joindre à moi? Oui, bien sûr. Vous aviez tellement fait pour moi, maîtresse. Alors maintenant, c'est à mon tour de vous aider. Peu importe ce qui nous attend, j'espère pouvoir vous protéger. Et cela coûte que coûte. Merci. Allons-y. Êtes-vous en sûre? Vous ne voulez pas le regarder jusqu'à la fin? Non. Non, ça va. Père, mère, au revoir. En vérité, je me demande où cet homme avec le long manteau noir est parti. J'espère qu'il va bien. Enfin, je pense qu'il ira bien après tout. C'est tellement un homme mystérieux. Allez, viens, boule de neige. Oh mmh. Un livre? Oh. Maîtresse, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Allons-y. Notre maîtresse est très forte. Même après cette expérience dure, elle marche sans verser une larme. Avec la maîtresse à mes côtés, je sens que je peux surpasser n'importe quelle épreuve. Cependant, quel est ce sentiment étrange que je ressens, docteur? Ah bah, tu l'aimais, quoi. C'est la boule de neige qui court vers le feu de camp géant qui est devenu le manoir. Oh non. Oh non, hope you did. Oh. Oh, y a Daddy qui arrive. Boule de neige devient boule de flotte. Oh non. Oh non. Non, pas Snowball du coup. C'est ciao. Les humains sont des créatures tellement... tellement bêtes et tellement... maladroites. Et pourtant, j'en ai vu. Des humains un peu bêtes. Mais je pense que tu as été le plus bête d'entre tous. Un humain fou du désir. Fou de désir est encore plus effrayant que n'importe quel démon. Et pourtant, je les aime tant, ces humains bêtes. Viens avec moi. Si tu viens avec moi, tu pourras faire autant de recherches que ton cœur le veut. Tu es au sommet de ta connerie, frère. Ne fais pas une pipo par pitié. Never mind. Oh, mais c'est le Grim Reaper en fait. C'est un peu ça en fait. J'ai l'impression que Ogre, c'est soit une sorte de Grim Reaper, soit c'est une sorte de démon tiers, c'est un peu à la recherche d'autres démons en soi, ce qui me semble probable. Parce que du coup, il les emmène plutôt vers l'enfer d'une certaine manière. Je pense que c'était son but premier. Ah, j'y arrive enfin. J'avais entendu des choses à propos de cet endroit. La clinique Drevis. Je sais pas pourquoi Ogre me donne une vibe de Cubase horrible. C'est à peu près ça, hein. Il les tire un peu vers le bas d'une certaine manière. Sauf que Cubase c'est vraiment un enculé, genre... Ogre, je le trouve sympa, tu vois. Clinique? Oui, ça va sûrement être cet endroit. C'est pourtant au milieu de nulle part. J'imagine que personne l'a jamais vu auparavant. L'a jamais remarqué auparavant, plutôt. Toc, toc, toc. Ouais, Kyobei, c'est une ordure. De ouf. Oh. Bonjour. Oh, une patiente. Bienvenue. Elle est si belle. Est-ce que c'est le docteur?
Quelque chose vous pose un problème? Eh bien, je me sens assez faible. Normalement, je viens pour une routine avec le docteur local, mais comment dire? Ma famille n'a plus beaucoup d'argent, alors. Alors le docteur a abandonné les rendez-vous. C'est pour ça que je suis venue. J'ai entendu que le docteur ici faisait des rendez-vous gratuitement. Oui, eh bien, nous ne demandons aucun argent à nos patients, alors ne t'en fais pas. Vraiment? J'en ai vraiment aucun, alors. Je peux vraiment être examinée? Bien sûr! Ah, merci beaucoup. Quel est ton nom? Je m'appelle Jean. Jean Rooney. Jean. Quel nom merveilleux. Je m'appelle Aya Drevis. Je suis ravie de vous rencontrer, Jean. Oui, moi aussi. Voilà. Ça sent mauvais. Je devrais vous examiner là maintenant tout de suite. Rentrez, rentrez. Pour quelqu'un qui n'est pas si... qui n'est pas en si bonne santé, vous a porté jusqu'ici, malgré ce long chemin. Est-ce que cela a été difficile pour vous? Oh. J'ai rencontré une gentille vieille femme sur le chemin et elle m'a aidée avec sa... Je sais pas ce que c'est que coach, j'imagine que c'est une sorte de petite... je sais pas, comment dit-on ça? Une chalette? C'est quoi le mot? Merde! Je sais pas. En gros, une calèche. Ah voilà! C'est ce mot-là que je cherchais, une calèche. J'ai rencontré une gentille vieille femme sur le chemin et... Elle m'a aidée à venir grâce à sa calèche. C'était si gentil de sa part. Il y a vraiment des personnes gentilles. Dehors. Tout comme vous, docteur Drevis. Vous pensez? Eh bien, commençons. Alors, je vous en prie, vous pouvez vous allonger. Ouh. Ah oui, je suis un peu nerveuse. C'est parce qu'elle a un crush. J'entends des chevaux. Ils n'ont pas l'air très loin. Sont-ils derrière? Alors, restez bien immobile pendant que je vous anesthésie. Ah oui. Vous avez de très beaux yeux, vous savez. Je sens si beau. Je crois que je pourrais m'y perdre. Personne ne me l'a dit avant. Merci beaucoup. Oh putain, she has a crush. I mean, she's a lesbian. Nerveuse, pas vrai? Ne vous en faites pas. Relâchez vos épaules. Docteur. Docteur? Pensez-vous que vous pourriez me soigner? Bien sûr. À partir d'aujourd'hui, vous ne souffrirez plus jamais. Alors ne vous en faites pas. Maintenant, vous pouvez vous endormir. Il est vrai, la maîtresse vous ressemble. J'imagine que c'est héréditaire. Docteur. Et oui, ce n'est pas fini. Du
Attends, attends, notez le nom du mec, notez le nom du mec. Mamoru Seikyo, Mamoru Seikyo, Mamoru Seikyo, Mamoru Seikyo. Notez-le, notez-le, notez-le. Mamoru Seikyo, Mamoru Seikyo. Merci, merci. Merci, merci. Tu l'as bien écrit, tu l'as bien écrit, tu l'as bien écrit. Oh pardon, j'ai cliqué ailleurs, du coup ça a enlevé. ça pue, j'ai beau savoir, je hurle, mais c'est quoi cette fin? Et oui. Et oui, la fille est comme le père. C'est ça la vraie fin. La vraie fin, c'est ça. Et oui. Mais fait, pourquoi il l'a pas cramé ce livre de mort là? Ah, mais peut-être qu'avec ou sans livre, elle aurait été pareille en fait. C'est. Ça a l'air d'être héréditaire quoi. Donc. C'est quoi l'autre fin? En fait, il existe une autre fin où sûrement. En fait, l'autre fin c'est quand tu choisis en fait de tuer le père. Ah, nous avons promis. Alors je ne peux pas l'oublier. Oh. La fin. C'est la fin, oui. En fait, l'autre fin, c'est plutôt un game over où en gros quand tu choisis d'aider la mère, il se passe quelque chose et je sais plus quoi. Mais en gros, c'est pas ça qu'il faut faire quoi. La vraie fin, c'est celle-là. C'est la vraie fin. J'aime bien penser qu'elle le fait pour apaiser les malades. Ouais, peut-être... En fait, je me dis, dans le meilleur des mondes, elle choisit les personnes qui sont vraiment en danger de mort. afin de préserver, en fait, la tradition familiale, d'une certaine manière. Bah, techniquement, la fille est pire que le père, parce qu'elle est mieux organisée et a plus de moyens. C'est clair. Ça me rassure dans mon déni, de ouf. Oh le bruh. Mais du coup, oui, l'autre fin, c'est plutôt une bad ending, en fait. Ouais, mais du coup je sais pas quelle serait la fin si j'avais la dernière gemme, donc purée, j'ai le seum, faut que je cherche. Enfin, il y a une mesure à avoir là dans l'apaisement. Il n'y a plus aucune mesure. Ah, sadness. Et oui, c'est la fin. Super.